Dis-le de regarder ça en direct. D'abord, qui vient? Tu peux parler, je veux parler un peu plus. Chez moi, on n'est pas agressif. C'est chez toi qu'on est agressif. Chez moi, on est doux. Chez moi, on n'agresse pas. Chez moi, tu agresses tout le temps. On rit. Chez moi, on n'agresse pas. Chez moi, on rit. Chez moi, on est doux. Le gouvernement, la joie. Chez moi, on agresse pas. J'ai vu, chez moi on n'agresse pas, hein. Ils sont gentils. J'ai vu, non. Chez moi on est gentil, chez moi on n'est pas agressif, chez moi on ne menace pas. Ils sont étonnés aussi. Non, c'est parce que chez moi, voilà. On m'a menacé quand je venais. Chez moi, on ne menace pas. On t'a menacé. Chez moi, ils sont doux. Hii. Regarde, tu as lancé chez toi là tout à l'heure. Ils ont commencé à t'insulter. Mais chez moi, on est doux. On rit. Mais chez nous, là, c'est nous là. Nous, on aime la paix. Ah oui, le gouvernement, la joie. Non. Voilà. Nous, on aime la paix. Oui. Vu, nous, on n'aime pas nous les problèmes. Voilà. Bon. Bonsoir, mes amours. Vous avez vu, vous avez parlé à Maman Perpé. Oui. Maman Perpé n'est pas là pour les problèmes. Moi, je venais pas faire les problèmes. C'est vrai que j'ai fait un peu de show. C'était pas sérieux. Voilà. Un peu. C'était pas du tout sérieux. C'était pas sérieux. Parce que mes grandes se m'ont appelé, elles m'ont menacé déjà d'abord. Elles ne savaient pas ce qui s'est passé. J'ai fait une erreur, j'aurais dû les appeler d'abord pour leur dire que non, je ne vais pas faire des problèmes. Oui. Je venais juste dire à mais elle, on avait déjà dit à la veuve que non, ouais, je viens de voir. Fais ton direct, tu n'as pas besoin d'insulter les gens et tout. Elle était à calme même. Bon, bref, comme on dit, nous sommes des Camerounaises. Hein? Je vous ai dit la dernière fois que. En tout cas, la veuve. La dernière fois qu'on a fait des problèmes, oui. Le même jour, là, le problème était fini. Oui. Hein? Pour moi, le problème était fini. Il n'y a plus de problème. Du moment où on se respecte, elle a son président, j'ai mon président. Donc, tout ce qu'on va vous dire là, c'est que c'est le respect. Le respect. Le respect. C'est tout. Bah, elle va vous dire quelque chose. Attends, deux secondes, voilà. Une chose aussi. Quand je venais, je crois que j'ai annoncé que je venais. Et que je venais couper l'oreille de la veuve avec mes dents. Hein? Oui. J'ai dit que j'espère que vous qui soutenez la veuve, vous seriez là. Hein? Oui. Depuis là, nous sommes là. Il est déjà, je crois, 23 heures passées. On n'a vu personne. Hein? Une fois de plus encore pour dire que moi, je peux être fier des gens qui me soutiennent. Je peux être fier des gens qui me soutiennent parce qu'ils m'ont appelé pour me dire tu ne pars pas là-bas. Ils m'ont interdit ça. J'ai insisté. Ils m'ont dit non. Et la plupart des gens vraiment qui me soutiennent, c'est fait. Tu vas. Okay. Mais c'est fait, tu es trop poli, hein. Il est pas juste. Oh là là. Mais tu as dit à madame pourquoi? Attends, j'ai pas compris. Tu peux parler pendant qu'elle parle, c'est vrai. Madame, je suis bien avant, je vais appeler l'office. Madame est là. Non, vous, vraiment évitez là, après, je vais prendre à manger pour elle. Ah bon? Je vais. Ici là. Elle veut moi le tendon. Je veux juste vous dire. Ah, le tendon était bon. Non, je voulais bien chercher. Non, le tendon était. Il y avait personne aussi qui est venu. Non, c'était bon. Il y a personne qui est venu. De son côté, elle est venue avec Achille. Hein? Vous étiez où aussi pour elle? Hein? On n'a pas vu pour les gens pour elle aussi. Hein? Vous êtes juste là à nous inciter. Oh, bagarrer, va tuer, va faire ceci. Hein? Nous quoi? Alors, venez aussi nous donner un peu quelque chose, non? Vous avez quoi? Non, moi je ne peux pas faire bagarre. Non, ça vous mentir. Nous sommes les stars habituels. On vous apporte ce que vous n'avez pas dans vos vies. D'accord? La joie. La joie. La vie. En tout cas, moi, vous me connaissez, je m'en fous, moi. On vous apporte. Hein? Je ne fais partie de qu'une team. Ma team fait partie de la team de la joie.
J'aime tout le monde dans la toile. Je sais que vous avez parlé de ce que vous avez fait ça, je ne suis pas dedans. Je suis une bagarre ici. Hein? Vous êtes où? Vous êtes avec moi? Mais je n'ai vu personne. Hein? Non. Elle est venue. Et je t'ai dit, je t'ai aussi dit, que je lui ai dit que, en fait, elle a un problème avec un faux profil. Voilà. Qui est Blonde Alice. Blonde Alice, oui. Elle dit que Blonde Alice, c'est ma belle-sœur. Je lui ai dit que jamais. Quelle belle-sœur? Ma belle-sœur, Star. Non, 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 c'est elle. Non, je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Je t'ai demandé que tu voulais que je juge ou quoi, même. Non, non, non. Je t'ai dit que non. C'est que toi et moi, on va pas faire la paix. C'est que tu veux pas qu'on fasse la paix. Personne fait la paix là, que te dit là, que ma belle-sœur, ce n'est pas elle. Ça n'a rien à voir dans cette histoire. C'est tellement pas. Non, c'est ma belle-sœur. C'est ta belle-sœur. Donc, elle n'a rien à voir dedans. Elle n'est pas dedans. Elle n'a rien à voir dedans. Elle n'a rien à voir dedans. Voilà, pour dire alors que la veuve et moi, on a décidé qu'on va se respecter. Je respecte. Elle et moi, c'est tout. Voilà. Je t'aime sans nom. Comment tu t'aimes sans nom? Non, je ne pas, c'est pas ça. Non, tu que. Non, 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 non. Tu peux pas manquer de soi, ma belle-sœur. Hé, hey, la peau de mon grand frère. Hé, Pardon. Tu as vu sa femme? Ça me fait chagrin. J'ai vu, on a eu des. Et elle t'a manqué de respect. J'aime. Ah, d'accord. Excuse-moi, chérie. Excuse-moi. Non, excuse-moi. J'ai vu que tu disais qu'elle t'a manqué de respect. Non, excuse-moi. En tout cas, on parle d'abord de vous deux. Voilà. On ne veut pas parler de ce thème sans ici. Pardon. Oui. C'est vrai. Dis-leur ce que tu as l'air dit. Tu veux dire que la vie. Ta copine fait que rire. Elle veut seulement venir ici. Elle peut rire jusqu'à ce. C'est avec ta copine. Non, hé. Elle est ta copine à côté. Moi, je vais pas mourir pour vous. Oh. J'ai mes deux enfants. Aïe. Hein? Donc, je sais, moi, tu es là, tu es là, tu es là, tu es quoi? Hein? Et si moi, on me coupait l'oreille, vous allez dire qu'on a coupé mon oreille. Autrement, nous sommes les stars habituels. Combien de vous m'ont donné quelque chose? Personne. Elle. On leur donne quelque chose. On leur donne. On donne tout le monde. Moi, rien. Donc, moi, je vais finir ma vie avec vous ici pour rien, pour faire rien, pour rien. Mes enfants ont une mère. Pardon. Continuez votre histoire là-bas avec les. Vos bagarres dans les perruques et tout ça. Vous mangez tout ça, je ne suis pas dedans. Et moi, je ne vous mens pas. Le gouvernement la joie. Attends, je ne connais pas. Le gouvernement la joie et le gouvernement la joie. Le gouvernement la joie insultera toujours. Manquera-tu le respect? Mais les gens qui ne m'ont rien fait, non. Tu comprends, non? Mais ma sœur et moi, on n'a pas fini encore avec ma sœur. Tu ne pas mon grand frère. Ah, dis-toi. Jamais. Non, il ne peut pas accepter. Tu ne peux pas parler mon grand frère comme ça devant moi. Ah, non, non, non. Mon grand frère. Non, 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 non. En tout cas, ce que tu as dit, parce que le gouvernement chancelier et la voix joyeuse, c'est open bar. Tout le monde est dans son gouvernement, c'est tout. Je respecte. C'est tes fans, non? Tu ne vois pas c'est qui comment? Ce sont tes fans. Non, c'est pour toi là-bas, je connais. Ah, ce sont tes fans, ok. Elle voit ses fans, elle dit que c'est qui là-bas. Tu comprends, non? En tout cas, je suis contente que je vous dis que le gouvernement de la joie est heureux d'être en paix. Le gouvernement de la joie en paix avec le gouvernement de la chancelière. C'est tout. Le reste là, il faut être dedans. Parce que si je meurs un jour, c'est là. Si je meurs un jour, on te salue. C'était fan, encore. N'importe quoi, les fans. Ah, la mère. Tu aimes le Congo, ça? Moi c'est bon. Toi aussi comment? Elle a dans sa bouche, elle a dans la bouche. Pourquoi tu me ris? Ris quoi, tu quittes ici? Jari! Non, Jari, tu quittes. Ris, tu quittes ça.
Viens, libère-toi. Viens, libère-toi, rire longo. En tout cas, le gouvernement de la joie est en paix avec la chancelière, n'est-ce pas? Le reste de l'orange est sans. Après, c'est tout. Dieu me casse les lames. Vous êtes là pour moi. Hey! On me pèse les lames. Papa. Hey! Open bar ce soir. Voilà, bon. Vous avez suivi la veuve. La veuve, elle s'est exprimée, elle a parlé, non? Pour dire que vous m'avez parlé, on a écouté, nous sommes des grandes personnes. Hein? Vous dites encore une fois de plus que ceux qui sont toujours derrière là, a dit allez faire. Bon, en tout cas, moi, on ne m'a jamais dit va faire. Jamais. Au contraire, moi, on m'a toujours dit stop. Arrête. Hein? Moi, je suis venu ici là parce que. Moi, je suis venu là en fait pour dire à ma soeur que ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien de faire. De sortir. Ça ne sert à rien. Dagobert est content. On vient tous. On a eu beaucoup d'humiliation. Les gens nous ont insulté que oh, les Camerounaises, les mamies là, elles ont fait ci, ça. Ma poufou vous adore. Ma poufou. Bon bref, c'était pour vous dire qu'il n'y a plus de problème. Mais attends, d'abord, c'était pour vous dire qu'il n'y a plus de problème. Hein? Comment j'ai un méchant comme ça? Mais je sens qu'il y aura un problème là, en catimini tout à l'heure. Parce que là, les conditions ne sont pas très bonnes. Pour moi, les conditions ne sont pas très bonnes. Donc je pense que d'abord couper ça, qu'on s'arrange d'abord vrai. Et ces conditions-là, ça ne donne pas. Tu me donnes les conditions. On fait la paix, tu me donnes encore les conditions. Ça ne donne pas. Il y a les conditions. Elle va me conditionner, mon frère. Elle ne veut pas me conditionner. Elle dit qu'on fait la paix, mais. Elle dit, mais ça veut dire quoi? Elle manque de respect à la femme de mon grand frère. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais la paix entre nous. Ça veut dire que tu ne veux pas la paix. Moi, je dis la paix. Moi, je vais parler derrière. Moi, je dis devant toi. La paix, papa, quoi? Non. Je vais couper le direct. On s'arrange d'abord, nous deux. Parce que voit que là, on n'est pas encore arrangé. On s'arrange devant eux là. Non. Ok. Hein? Non, parce que là, attends, il y a un problème. On dit qu'on fait la paix, il n'y a plus de problème. Comme on a parlé devant vous là, on n'a pas parlé devant vous. Ça s'est arrangé tous les deux là, propre. Mais maintenant, il y a un problème. Elle a son camp chez mon camp. Hein? Je demande, attends. Je demande le respect. Moi, dans les deux camps, respect, oui. Hein? Mais je lui ai dit, Amot, n'a rien à voir. Amot et moi, c'est balle au pied. Je commence à voir les problèmes avec Amot. Elle le sait, elle avait les problèmes à l'époque avec Amot. Hey, c'est maintenant. Okay. On va aller pas à pas. Non. Là, c'est autre chose. S'il vous plaît. C'est toi qui as parlé avec Amot. Moi, j'étais en train de parler d'abord de. Tu as dit que tu ne veux pas ça en direct, non? Okay. Bon, moi, j'ai dit, je veux le respect. La mère des orphelins laisse. Non. Moi, j'ai dit qu'on coupe ça, on parle à deux. Hein? Qu'on parle à deux, en grande. Et maintenant, on vient les rendre compte. C'est pas même qui va vous conseiller. Je veux la paix, mais cette paix-là, il faut le respect. C'est comme si je suis en train de faire la paix avec toi et manque de respect à ta fille. Non. Alors, quand on fait la paix, c'est. Non, ça veut dire que tu ne veux pas la paix. Tu veux pas la paix. Non, ça veut dire que toi, tu ne veux pas la paix. Moi, je suis pour la paix. Bon, maintenant, parle. Est-ce que tu peux parler là-bas? Moi, je te laisse. Il n'y a rien à faire. Bah oui. Moi, je suis pour la paix. Mais maintenant, c'est qu'elle veut conditionner. Elle ne paye pas. Ça ne donne pas. Ça veut dire qu'elle ne veut pas la paix
Ça veut dire qu'elle veut seulement la paix avec moi. Ce n'est pas moi le problème, parce qu'elle et moi, on n'a jamais de problème. Le problème qu'on a, c'est par rapport aux gens. Non. Si tu demandes à la veuve... C'est avec toi, c'est tout, le reste, je m'en fous. Non, je suis désolée. Si tu demandes à la veuve qu'elle... Si tu poses la question que tu as quel problème avec la chancelière, pose la question qu'elle a quel problème avec moi. Elle va te dire que toi et moi, on a quel problème. Non, toi et moi, on a quel problème. Non, dis la vérité. Ma poche, on va ma poche, non. On a quel problème par rapport au lieu saint? On a quel problème? Tu travailles à lieu saint? Deux mois, tu travailles à lieu saint. Mais c'est quoi là le problème? C'était provoqué un jour alors. Dis-moi là, il était provoqué. Attends. Non, mais il fallait quelqu'un. Non, il fallait quelqu'un qui nous pose la question de savoir toi, tu es pas. Et on arrête ça pour. On arrête ça, tu restes pas. Non. Ils ont dit que ça allait être en live. Bon, on va nous poser la question. Attends. Pose la question. Non, il faut qu'on nous pose les questions. Non, il faut qu'on te pose la question que toi, par exemple, tu as quel problème avec la chancelière. La chancelière, tu as quel problème avec la veuve. Et on répond. Ça devait se passer comme ça. Voilà. Veuve joyeuse, tu as quel problème avec la chancelière. Amen, c'était au député Cameroun. Qui est la veuve joyeuse? Alors, pour le respect du député Cameroun. Donc, il n'y a que ça. Non, arrête.